Bonsoir. Aucun chiffre de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier au Cameroun n'est encore disponible 8 jours après le scrutin. Un anachronisme au regard de l'évolution actuelle du monde. Le contentieux électoral s'est ouvert ce matin et se poursuivra demain devant le Conseil constitutionnel dont l'indépendance et même la légitimité ont été sérieusement remises en question. Les trois principaux candidats de l'opposition, aussi Libi, Kamto, ont fait des recours en annulation partielle ou totale du scrutin, entachés, selon eux, de nombreuses irrégularités. Le Conseil constitutionnel fera-t-il droit à cette demande? Quelle lecture peut-on faire du déroulement du contentieux électoral? Les membres du Conseil constitutionnel jouissent-ils de la légitimité et de l'indépendance que requiert leur haute fonction? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci, mesdames, messieurs, de rester fidèles à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Joseph Ouna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir ce soir. Alors, traditionnellement, nous avons une rubrique qui nous permet de présenter nos invités, de mieux les connaître, Etché Omo. Et en raison de l'actualité liée à la présidentielle, sans vous mentir, notre équipe est un tout petit peu en débandade. Vous nous excuserez pour ça. Et donc, on essaiera ensemble de faire plus ample connaissance. Vous êtes donc Joseph Ouna, vous êtes né le 23 janvier 1945 à Akom, dans le département de l'Océan, région du Sud. Vous êtes donc âgé de 73 ans. Croyez-moi, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, c'est une... Je vois que ça se voit très bien. En tout cas, vous ne les faites pas vos 73 ans. Après votre baccalauréat au collège Vogt en 1965, vous entrez à l'université de Yaoundé où vous obtenez 3 ans plus tard votre licence en droit et sciences économiques et vous décrochez le premier prix. C'est bien cela. Alors, vous partez pour la France où vous allez collectionner les parchemins d'un trait, DES de droit public, DES de sciences politiques, doctorat d'État en droit. Et pour finir, alors que vous êtes âgé de 32 ans, nous sommes en 1977, vous êtes reçu au concours français d'agrégation de droit public et de sciences politiques. Oui. Ayem Soukoulou. J'ai essayé. Très bien. Alors, vous avez enseigné dans de nombreuses universités au Cameroun et ailleurs. Et vous avez été directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, l'IRIC. Vous avez été également chancelier de l'Université de Yaoundé. Ça, c'est pour ce qui est de l'université. Je serai tout à fait complet lorsque j'aurai dit que vous avez publié de nombreux articles et des ouvrages qui aujourd'hui font autorité dans les milieux universitaires. Ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, vous l'avez été. Secrétaire général adjoint du gouvernement à la présidence de la République avec rang de ministre. Ministre de la fonction publique et du contrôle supérieur de l'État. Ministre de l'enseignement supérieur, de l'information, de l'informatique et de la recherche scientifique. Secrétaire général à la présidence de la République avec rang de ministre. Ministre de la santé publique. Ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État. Ministre de la jeunesse et des sports. Ministre de l'éducation nationale. Nous sommes en 2004 lorsque vous quittez le gouvernement. Alors, dites-moi, de toutes ces fonctions que vous avez occupées, Joseph Ouna, laquelle vous aura le plus marqué? Je voudrais préciser d'abord que j'ai été également assistant à l'Université de Paris. Oui. Hein? Laquelle fonction a été la plus difficile? Probablement deux. Oui. Celle de chancelier de l'université. Ce n'était pas du tout facile. J'étais à la tête d'une ville de 55 000 habitants à la fin. Et les temps étaient troubles. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses parce que je suis de cette maison-là. Vous l'avez dit, où j'ai été chef de département, où j'ai été enseignant à tous les titres. Je pense que celle-là a été assez difficile. La deuxième qui, à mon avis, serait difficile, c'est celle de secrétaire général à la présidence. Les gens ne s'imaginent pas que le travail à la présidence est divisé par tâches
et qu'il y a des structures spécialisées. Oui. Et chaque fois qu'il y a une décision, on vous l'impute. Que vous soyez même peut-être parfois pas au courant. Ça dépend de la confiance que le président vous accorde pour vous associer à certaines autres affaires qui ne seraient pas de votre compétence. Oui. Je pense que c'est une fonction ingrate, mais c'est une belle fonction. Confiance que l'a appelé le pontificat de l'ingratitude. Oui. Pourquoi le pontificat? Parce que c'est vraiment le pontificat de l'ingratitude. Oui. Vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs, personne ne sait exactement ce que vous faites. Mais vous allez porter tout ce qui se dit en ville contre la présidence. Oui. Alors là, vous êtes en droite ligne d'un ouvrage qui a été publié par quelqu'un qui a occupé la même fonction que vous, Jean-Marie Atanganmebara, qui a parlé des secrétaires généraux à la présidence de la République dans un ouvrage assez intéressant. Et lorsqu'on regarde le sort qui est devenu celui d'un certain nombre de secrétaires généraux à la présidence de la République, qu'est-ce qui peut justifier ce destin? On a l'impression que il n'y a pas loin du Capitole La Roche-Tarpéenne lorsqu'on est secrétaire général de la présidence de la République. Je crois que tous n'ont quand même pas le même sort. Non. Il y en a qui sont dehors, qui sont libres, qui n'ont pas fait certaines choses, il faut le dire. Il y en a qui sont aussi là où ils sont. Je crois, eux, de répondre objectivement aux questions qui leur sont posées. Mais je dis, c'est une fonction très ingrate. Mais une fonction qui vous permet quand même de connaître le Cameroun, de connaître comment est gouverné le Cameroun réellement, et même de connaître réellement les Camerounais. C'est une chose qu'on ne fait pas très souvent. Tout est beau, tout le monde est gentil, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, mais il n'y a pas que de l'ingratitude à cette fonction. Vous faites et défaites également des carrières. Il y a des gens qui ne doivent leur ascension aujourd'hui dans l'administration, la haute administration camerounaise, que grâce à vous. Ça, oui, mais je crois qu'avec ça, il faut être très prudent. Oui. Au-delà d'être très prudent, il faut également être très droit. C'est-à-dire essayer, quand on le peut, de promouvoir les intelligences, de promouvoir des gens experts, de promouvoir des gens compétents, de promouvoir des gens qui sont représentatifs de quelque chose. Je crois que ça aussi, c'est un plaisir quand on fait promouvoir quelqu'un de bien et qu'à la fois, on le voit évoluer, peut-être devenir ministre, même devenir ministre plus puissant que vous. Vous êtes au courant qu'on appelle les secrétaires généraux de la présidence au Cameroun les vice-dieux, Dieu étant l'autre. Je ne sais pas si l'autre est Dieu, mais je peux vous dire que le travail tel qu'il est fait, le président, le secrétaire général assiste vraiment le président. C'est un assistant du président. Et si le président vous fait confiance, vous êtes parfois associé à des choses qui ne sont pas de votre compétence. Oui. Moi, j'ai parfois assisté, participé à la nomination des généraux, n'étant ni ministre de la Défense, ni membre de l'état-major particulier. Mais je crois que l'objectivité que j'ai manifestée dans ces circonstances-là a été bénéfique pour certains officiers généraux qui sont devenus généraux. Et vous êtes, quel est quels sont les rapports entre le secrétaire général de la présidence de la République dans le contexte camerounais, qui a la chance d'être très proche du prince, et le premier ministre, par exemple? Aha, qui est au-dessus de qui? Ça, c'est une très belle question. Oui. Qui est au-dessus de qui? Le premier ministre, finalement, est devenu le chef du gouvernement. À votre époque, vous étiez secrétaire général simple. Simple. Voilà. Le Premier ministre est devenu chef du gouvernement. Je crois qu'il faut savoir travailler avec le Premier ministre. Je dois vous dire particulièrement que les gens n'avaient pas compris les relations que j'avais avec M. Atidi Achou. Oui. Atidi Achou était mon ami. Atidi Achou était mon président. Ce n'est pas ce qu'on nous racontait. Alors, je vais vous dire, Atidi Achou était mon président quand j'étais étudiant. On nous a même arrêté pour l'indépendance de la Rhodésie. Oui. Ce qui fait qu'il y avait entre nous des relations spéciales. Et je crois que chaque fois qu'Atidi faisait quelque chose, il m'appelait, il me consultait. J'allais le voir, moi, secrétaire général. Il était le chef du gouvernement. Et je crois qu'on a eu de très bonnes relations et cela a été, les gens ne le voyaient pas parce qu'ils ne savaient pas que Atidi avait été président des étudiants de la FENEC et que j'ai été secrétaire général de la FENEC, la Fédération des étudiants camerounais. Oui. Alors, corrigez-moi si je me trompe, c'est la dernière question, on va sortir de cette affaire.
il se dit que c'est parce que vous preniez trop de place comme secrétaire général qu'on a changé la dénomination pour devenir ministre secrétaire général de la présidence de la République. Parce qu'il y avait justement un conflit entre le premier ministre et le secrétaire général. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de conflit. Le premier ministre fait ce qu'il fait. Il dirige le gouvernement. Oui, mais si le premier ministre, pour voir le président de la République, doit passer un coup de fil au secrétaire général. Le secrétaire général en soi n'est rien. Je peux même vous avouer cela. Il n'a qu'une délégation du président de la République. Ça dépend des relations qu'il a avec le président de la République. Et les relations qu'il a avec le président de la République font qu'il peut parfois être un intermédiaire obligé pour faire un certain nombre de choses avec le gouvernement. Je ne pense pas que forcément le secrétaire général doit être opposé au premier ministre, je ne crois pas. Et vous, vos rapports avec le président, ils étaient comment? Le président, c'est le patron. Moi, je le voyais pratiquement au moins une ou deux fois par jour, quand on travaillait. J'avais une valise spéciale qui fait nos relations, où j'expédie mes dossiers et mes dossiers me reviennent, et seul l'aide de camp avait la clé. Le président, vous discutez avec lui, parfois vous faites aussi le brainstorming avec lui, parce qu'il faut l'éclairer sur la plupart des problèmes, parfois l'informer aussi sur ce qu'il ne sait peut-être pas. Et je crois que ce travail est un travail ingrat. Mais c'est un travail qu'il faut faire parce que la fonction présidentielle est très absorbante. Étant très absorbante, il faut qu'on aide le président à être mieux éclairé pour prendre les décisions. Mais c'est lui qui décide, c'est lui le patron. Alors, confiez-nous quelque chose. Est-ce que le président que vous avez connu, c'est quelqu'un de travailleur ou alors, comme on le dit, c'est un pantouflage joueur de son gars? Non, c'est ce que vous dites dans les quartiers. C'est vous pas dites moi, qu'il... Je peux vous dire que non. Moi, je vous ai dit, j'avais une valise. Quand j'envoyais ma valise, le lendemain, elle me revenait. Même s'il y avait un dossier dessus. Elle me revient avec des notations. Donc, il traite ses notations. Il traite ses dossiers. Je peux même vous dire, puisque vous dites que c'est un président qui se balade partout, que quand il est à Genève, il travaille plutôt pour le pays. Il rencontre des gens. Il traite les dossiers. C'est ce que les gens ne savent pas. Moi, j'allais à Genève avec les dossiers du Cameroun, le rencontrer. Les gens ne savent pas ça, que le président travaille constamment. Il travaille constamment. Et il est plus à l'aise pour travailler à Genève que... Non, je ne dis pas qu'il est plus à l'aise pour travailler à Genève, mais je dis même quand il est à Genève, il travaille. C'est ce que la plupart des Camerounais ne savent pas. Merci Joseph Ouna. Nous allons prendre juste une petite transition et nous revenons pour aborder l'élection du 7 octobre dernier. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité, Joseph Ouna, professeur d'université. Il est constitutionnaliste et homme politique également. Vous en avez appris sur son parcours. Alors, nous avons donc assisté à la présidentielle du 7 octobre dernier et ça fait 9 jours que cette élection a été organisée. Jusqu'à présent, pas le moindre chiffre qui filtre. Est-ce que vous diriez que c'est un anachronisme au regard de l'évolution actuelle du monde? D'abord, une petite rectification. Oui. Je ne suis pas constitutionnaliste. Hein? Je suis publiciste. Oui. J'ai tout autant publié en droit constitutionnel qu'en droit administratif, en droit international, en droit international général avec une encyclopédie connue, en droit international humanitaire. Moi, je suis publiciste. Et agrégé de droit public et de sciences politiques. Donc, je voudrais que cela soit dit. Oui, parce que vous avez quand même publié un gros livre sur la constitution du monde. Vous me dites que c'est un anachronisme. Je ne crois pas. Il y a une réglementation quant au traitement des résultats des élections. Oui. Notre pays, je ne crois pas qu'il y ait un ordinateur partout. Notre pays, je ne crois pas qu'il y ait de l'électricité partout pour que nous puissions, avec un système très numérisé, avoir les résultats dans les 2 heures, les 3 heures et qui suivent effectivement les élections. Mais quand même. Je peux... Non. Oui. Je dis qu'il y a des délais qui sont prévus par la loi. Oui. Et je crois qu'on suit ces délais. Ces délais aujourd'hui ne sont pas dépassés. Et je crois que cela est peut-être même mieux aussi quand même comme ça. Parce que ça permet au niveau de la commune
qu'on fasse le point. Ça permet au niveau de l'arrondissement qu'on fasse le point, oui. Au niveau du département qu'on fasse le point, et que la commission centrale de recensement des votes puisse travailler sur des documents qui sont des documents sérieux. Mais 15 jours, vous parliez de la loi, effectivement, le code électoral donne 15 jours au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats dès de la date de clôture des élections, mais quand même... On voit peut-être loin de nous le Brésil, c'est quoi 207 millions avec près de 147 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Ils sont allés aux urnes en même temps que nous et le lendemain, on avait des résultats. Mais le Brésil, c'est vous le connaissez, vous comme moi, ce pays. C'est un pays très moderne, le Brésil. Si vous votez dans mon village, oui. Moi je suis à 17 km de Mvenge. Je ne peux pas vous assurer que dans la soirée, les résultats seraient à Mvenge. Encore mieux, à Kribi non plus, qui est à 146 km de mon village. Il faut intégrer toutes ces données-là. Et je crois que la loi a intégré ces données-là. Pour le moment, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Et tant qu'elle n'est pas violée, on la suit. Est-ce que ce n'est pas de nature à jeter une certaine suspicion sur le processus? Parce qu'on entend des gens dire, oui, ils se donnent 15 jours pour avoir le temps de frauder. Mais si on veut frauder, on peut frauder en une seconde. Est-ce que vous pensez qu'il faut 15 jours pour frauder? C'est même trop de temps pour frauder, ça. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous réagissez aux recours qui ont été introduits par les trois principaux candidats de l'opposition, aussi Kamto, Libi, qui ont demandé l'annulation partielle ou totale, selon, de cette élection? Chose normale, ils ont le droit de faire des recours. Mais vous voyez déjà qu'il y a une divergence. Oui. Un demande l'annulation partielle, l'autre demande l'annulation totale. Je pense qu'il y a une divergence, ce qui fait qu'il y a problème. Mais en fait, les recours sont dans la nature d'une société de droit, d'un état de droit, qu'on fasse des recours, et les recours sont dans la procédure du Conseil constitutionnel. Je ne voudrais pas anticiper sur ce que fera le Conseil constitutionnel, mais je voudrais dire, moi je ne fais que remarquer, que le juge constitutionnel a ses méthodes. Et puis, si vous regardez l'élection, c'est une opération très complexe. Si je veux même m'amuser, je peux dire la prochaine présidence a déjà commencé. L'élection, il y a les inscriptions. L'élection, il y a tout ce qui est utilisation des médias, il y a des règles. L'élection, c'est une opération à procédure. L'élection, c'est une opération à délai. L'élection, c'est très compliqué. Il y a toute une forêt de règles pour parvenir, effectivement, à l'élection finale. Donc, ce n'est pas en deux jours, en trois jours, qu'on fait une élection. Cela étant, donc, le contentieux est un contentieux complexe. Ce que je remarque simplement, c'est que comme il y a une forêt de règles, il faut faire attention au délai, il faut faire attention aux procédures. Et je crois que personne ne peut dire qu'il y a une élection parfaite ou que ce soit. Et très souvent, il y a des dysfonctionnements. Je crois qu'il appartient au Conseil constitutionnel d'analyser ces dysfonctionnements. Mais le juge constitutionnel a une question de fond, et c'est la seule question qui vaille la peine d'être posée. Cette question est très simple. C'est de savoir si la volonté du peuple a été exprimée. Si elle a été correctement exprimée, objectivement exprimée, quelle est la volonté objective du peuple? Je crois que c'est ça la tâche fondamentale du juge constitutionnel. Donc tout dysfonctionnement n'amène pas nécessairement à l'annulation totale d'une élection, n'amène pas nécessairement à l'annulation partielle d'une élection. La tâche du juge constitutionnel, c'est de chercher et de rechercher si la volonté du peuple a été effectivement exprimée. Alors, vous allez remarquer que le juge constitutionnel a développé un certain nombre de méthodes. Self-restraint. Il n'attaque pas n'importe comment. La faute claire. Il ne sanctionne que les fautes claires. Mais oui.
Une censure, quelle est faute claire? Le juge constitutionnel, je vous dis, sa tâche principale, c'est de se demander si la violation est substantielle. On aura le temps de parler du juge constitutionnel tout à l'heure. Alors, de votre position en tant qu'acteur politique et même citoyen, et quel citoyen d'ailleurs, est-ce que de votre position, vous direz aujourd'hui que le jeu a été fait? Le jeu? Le jeu. L'élection a été correcte. L'élection a été correcte. Qu'est-ce que vous entendez par élection correcte? L'élection a des règles. Cette élection a des règles. Il faut appliquer ces règles et je crois qu'on les a appliquées. Et le problème, je dis bien, il y a des problèmes qu'il faudrait vraiment qu'on puisse poser. Oui. Vous pensez que vous pouvez gagner une élection? Je prends mon département, c'est le département de l'Océan. Mon arrondissement est à 140 km de Kribi. Vous faites une élection dans ce département-là. J'ai vu les candidats de l'opposition, je ne les ai vus qu'à Kribi. Ça veut dire qu'ils étaient à 146 km de Mvenge. Ça veut dire qu'ils étaient au moins à 80 km de Niété. À 60 km de Niété. Ça veut dire qu'ils étaient au moins à 60 km de Bipindi. Ça veut dire qu'ils étaient au moins à 112 km de Lolodorf. Personne ne les a vus là-bas. Ils n'ont même peut-être même pas de représentants là-bas. Oui, alors j'entends bien. Mais revenons un peu sur l'organisation. Lorsqu'un gouvernement présente des individus comme étant des observateurs d'une ONG internationale comme Transparency International et on découvre par-dessus le marché que c'était de fiefs imposteurs qui n'ont rien à voir avec Transparency International. Je pense que ça, c'est un problème à regarder de près. Oui. Qui les a agréés à les chercher? Le ministère de l'administration territoriale. Bon, alors, aller beaucoup plus loin. Oui. Parce que l'observation électorale n'est pas une condition de la validité d'une élection. Oui, mais quand laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Oui, allez-y. L'observation électorale n'est pas une condition de validité de l'élection. Et d'ailleurs, c'est une donnée récente de la nouvelle gouvernance. L'observation se fait aujourd'hui. Le Commonwealth observe, oui. La francophonie observe, les Nations Unies observent, l'Union européenne observe. L'Union européenne qui n'a envoyé personne. Qui n'a envoyé personne observe. Donc c'est une sorte de cotation qu'on peut faire. Ce qui compte, c'est la conjonction des observations. Alors, je pense que si vous voulez juger l'élection au fond, oui, il faut juger la conjonction des observateurs. S'il y a eu ces observateurs que vous dites n'étant pas de Transparency International, il y a eu d'autres observateurs. Essayez de savoir ce qu'ils ont dit. Et il faut avoir une conjonction des observations. C'est ça qui est beaucoup plus important. Ok, sauf que la certification internationale des élections par ces observateurs-là est importante pour un certain nombre de gouvernements, surtout en Afrique. C'est une cotation. La preuve, le gouvernement a brandi ces gens-là qui sont passés à la télévision, J'ai dit, c'est pas une condition de validité. Et le lendemain, on découvre. C'est pas une condition de validité. Et ils ont dit ça. Les observateurs, après tout, c'est des hommes, avec leurs préférences, avec leurs. Certains sont de gauche, certains autres sont de droite, d'autres sont du centre. Moi, je pense que s'il faut vraiment juger clairement et objectivement l'affaire, il faut regarder ce qu'a dit l'observateur également de l'Union européenne, l'observateur de l'Union africaine et les autres observateurs. Vous êtes juriste? Oui. Non. J'ai dit, la fraude, tu peux dire, c'est pas parce qu'une personne prétend qu'on a triché pour tout. C'est pas vrai. Non. Non. L'observation n'est pas une condition de validité. Non. Alors, dès le lendemain de cette élection, nous sommes le 8 octobre, l'un des candidats à cette élection, Maurice Kamto, a fait une sortie au cours de laquelle il a revendiquer sa victoire. Alors, comment avez-vous réagi à cette sortie du candidat Maurice Kamto? Oh là là, je suis atterré. C'est mon brillant étudiant. C'est également un brillant collègue. Alors, j'ai une chose à dire qui est, à mon avis, très simple. Le politicien a déshabillé l'agrégé.
Pourquoi a déshabillé l'agrégé? Parce que M. Maurice Kamto n'aurait pas dû faire cela. Je le connais bien et je vous dirai que j'ai des liens assez spéciaux avec lui. Un, convoquons la Constitution. Article 48 de la Constitution. C'est très simple. La Cour constitutionnelle est juge de la régularité des élections parlementaires, présidentielles et des consultations référendaires. Elle proclame seule les résultats. Convoquons un autre article de la Constitution. Article 2 de la Constitution. Le peuple camerounais exerce la souveraineté nationale. Il exerce par l'intermédiaire des élections de ses représentants, du président de la République élu, par l'intermédiaire des consultations référendaires, par l'intermédiaire des élections, et on dit aucune fraction, ni aucun individu du peuple ne peut s'en attribuer l'expression. Je voudrais demander au professeur Kamto comment il a fait cela. De quel droit il a dit que le peuple lui avait confié un mandat? Alors, quel mandat? Est-ce que le peuple pouvait lui confier un mandat? Le peuple ne peut lui confier un mandat qu'en collégialité. Même s'il a eu quelques voix, dans quelques départements, dans quelques provinces, il n'avait pas de mandat. Il a dit qu'il a reçu un mandat ferme. Oui. J'aimerais savoir quel est le mandat ferme. Alors, je veux continuer. Alors, je dis, je veux continuer. Oui, allez-y. Je veux continuer. Le fait d'invoquer, je crois, l'article 133 du Code électoral. L'article 133 dit tout simplement qu'après le dépouillement, on proclame les résultats. Oui. Bon, ça ne dit pas que c'est des résultats condensés. Le seul organe qui peut proclamer les résultats, c'est la Cour constitutionnelle, à partir du processus. Je peux même aller beaucoup plus loin et vous dire que mon vieux, cette attitude est une attitude terrible. C'est même une attitude bouchiste. En fait, de quel droit un citoyen, un pauvre citoyen, un citoyen même qui a reçu des voix de certaines régions, de certains départements, je dirais de certains arrondissements, de quel droit ce citoyen veut parler à l'armée? Dans sa déclaration, il a fait un coup de pied, un coup de nez, un coup de charme aux forces de sécurité. De quel droit peut-il parler à l'administration? La Constitution dit que le gouvernement dispose de l'administration et des forces de sécurité. Ça sent beaucoup plus tôt Hitler dans la brasserie. Ça sent beaucoup plus tôt Primo de Oliveira. Ça sent beaucoup plus tôt Mussolini avant la marche sur Rome. C'est un peu fort quand même. Non, c'est pas fort. Vous ne pouvez pas parler de l'armée quand vous n'êtes pas élu, vous ne disposez pas de l'armée. Vous ne pouvez pas parler de l'administration, vous ne disposez pas de l'administration. Oui. Alors je vous propose qu'on poursuive cet échange, mais pour être bien d'accord, regardons une fois de plus cette déclaration qui a été faite par le professeur Kamto et ensuite on commentera. Voici donc la déclaration faite par Maurice Kamto le 8 octobre dernier, c'était au QG de son parti. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale de l'événement historique qui a rendu possible dans notre pays une alternance démocratique. Camerounaises, Camerounais, vous faites notre fierté. Restez dans la joie. Nous sommes profondément attachés à la paix et n'avons cessé de le clamer depuis la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2012 et
tout au long de la campagne électorale. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin, car elle compromettrait son avenir. Comme je m'y suis engagé, je lui assure à lui-même et à sa famille toutes les garanties de sécurité, d'immunité et de respect dues à son statut et au rang des siens. God bless you all. God bless Cameroon, our beloved nation. Thank you. Voilà, retour dans ce studio. Nous sommes désormais à peu près au même niveau d'information. Donc pour vous, l'acte du professeur Kamto est illégal parce qu'il n'avait pas le droit de proclamer sa victoire. Pas pour moi et pour vous. Oui. Et pour vous. Oui, mais... Je demande pour vous, avec deux articles de la Constitution qui sont clairs. Excusez-moi. Il ne s'est pas proclamé. Il fait une sommation au président de la République, une sommation douce. Pour qu'il organise la transmission des pouvoirs, vous dites qu'il ne s'est pas proclamé quoi ? Il s'est proclamé président de la République, même à titre implicite. José Wona, s'il vous plaît, commençons par définir les mots. J'ai regardé quand même le dictionnaire avant de venir ici. Proclamer veut dire publier ou reconnaître solennellement par c'est un acte. Attendez. Proclamer veut dire publier ou reconnaître solennellement par un acte officiel quelque chose. Or, déclarer qu'on a gagné à l'issue d'une élection pour un homme politique me semble quelque chose de plus ordinaire. Il ne peut pas déclarer qu'il a gagné, puisqu'on n'a pas encore déclaré qu'il a gagné. Oui, en attendant. En attendant que l'organe qui est juridiquement... L'organe qui est juridiquement... Monsieur... Monsieur, il faut être clair et net. Il y a un organe qui proclame constitutionnellement. Qui proclame, sauf que le candidat, lui, n'a pas proclamé. Il a fait quoi ? Il a revendiqué. Oui, il a fait une sommation douce au président de la République et rapide de partir pour qu'on lui organise la transmission des pouvoirs. Il a parlé à l'armée. Il a parlé au service de sécurité. Il a parlé à l'administration. Oui. Et vous trouvez que c'est normal ? Non, Hitler en a fait autant. Primo de Oliveira en a fait autant. Hitler, avec Ludendorff à la brasserie de Munich, c'est autant. Mussolini a fait avant la marche sur Rome. C'est exactement les mêmes choses. Je crois que les règles sont les règles. Oui. Constitutionnellement, j'ai dit et je le répète, le politicien a déshabillé l'agrégé. Alors, raisonnons par l'absurde. Vous savez, on dit couramment chez nous, lorsqu'on a été mordu par un serpent, on a peur du mille pattes. N'évoquez pas 1992. Les serpents. Dans ce cas-là, si vous évoquez les serpents, moi je les évoquerai en ce qui concerne les Bahamas. D'accord. 1992, aujourd'hui, la plupart des observateurs reconnaissent unanimement que Fundi avait remporté l'élection en 1992 et son élection lui a été spoliée par votre pouvoir. Attendez, je vais finir. Oui, je vais finir. Je ne peux pas accepter ça. Attendez que je finisse, vous allez répondre. Puisque j'étais dans la mêlée. Voilà, vous pensez... Attendez que je finisse la question. Je vous pose la question. Oui, posez. Vous pensez que nous voulons frauder une élection. Nous fraudons une élection pour la gagner par 32 000 voix ou 38 000 voix. Non. Je peux même citer quelqu'un qui avait fait un sondage à l'époque et qui est aujourd'hui directeur de publication. Non, qui est directeur de publication d'un journal au Nord, comment il s'appelle, Gibaye ? Gibaye, oui. Qui avait fait un sondage, qui me l'avait remis, et qui prévoyait exactement que nous gagnerons cette élection par 38 000 voix. Ayant été moi témoin des événements. Élection de 4 000. Je peux vous le dire, et je peux vous l'affirmer, que le président de la République,
avant toute proclamation, il était prêt à partir s'il perdait les élections. Et vous savez à partir de quel moment on a su qu'on gagnait les élections? Non. Quand il y a eu les résultats du vote d'Ngor Kitunja, il ne restait plus que les résultats du vote d'Union Esso. Nous ne pouvions pas perdre dans l'Union Esso. C'est pour ça que nous avons gagné cette élection. Et c'est même à ce moment-là que monsieur qui était représentant, le professeur qui était représentant du SDF à la commission de recensement est parti. Je crois que cette élection a été dure, elle a été sévère, Frundi ne l'a pas gagnée. Il ne l'a pas gagnée. Nous l'avons gagnée par 38 000 voix. S'il s'agissait de frauder, on est vraiment des piètres fraudeurs. En tout cas, on va vous accuser de révisionnisme. Non, je ne suis pas révisionniste. Je ne suis pas révisionniste. Je vous dis, cette élection a été claire, Frundi a perdu. Alors, et si l'acte... Et vous savez que Frundi est mon ami. Oui. Et si l'acte du candidat Maurice Kamto visait simplement à prendre de coups des gens que l'on ne juge pas sérieux? Pourquoi vous lui prêtez des intentions qu'il n'a pas? Un monsieur dit, j'ai reçu mandat du peuple camerounais. On essaye de comprendre. Un monsieur dit, j'ai reçu mandat du peuple camerounais. Un monsieur dit au président de la République de lui préparer la transition. Un monsieur parle à l'armée. Un monsieur parle à l'administration. Oui. Et vous lui prêtez des intentions? Essayez de prendre les intentions des gens que vous lui prêtez ne sont pas les siennes. Il parlait en président de la République, oui. Pratiquement virtuel. Il parlait en président de la République. Je peux vous dire que Mussolini a fait autant. Il a fait autant. Et c'était un putsch. Alors, donc pour vous, rien à faire, il s'agissait d'une espèce de coup d'État électoral. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a conçu cette élection avec des mi-temps. Comme vous jouez beaucoup au football, en disant, bon, il y aura une prolongation. J'ai dit... Les règles sont claires. L'article 2 de la Constitution ne permet à personne de revendiquer un mandat national s'il ne l'a pas reçu par des élections régulières. L'article 48 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel seule la compétence de proclamer les résultats. Un monsieur qui le fait est en dehors des règles. Je rappelle que la proclamation, c'est un acte officiel. C'est ce que vous dites. Oui. Quand quelqu'un dit au président, partez, moi je veux m'asseoir à votre place parce que je suis déjà président, oui. Il fait quoi? Et si il ne fait pas un acte solennel. Ce que vous venez de voir à la télévision n'est pas un acte solennel avec un ton de président. Vous pensez que ce n'est pas une proclamation solennelle dans une télévision? Mais je vous dis que ça a déjà été fait dans l'histoire, hein. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, des choses comme ça. Revenons sur le contentieux électoral qui s'est ouvert ce matin devant le Conseil constitutionnel et qui va se poursuivre demain. Beaucoup, quand on lit les réactions des uns et des autres, beaucoup pensent qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce Conseil constitutionnel. Ce sera sa première élection parce que jusqu'à présent, c'est la Cour suprême qui gère. Il y a eu quand même l'élection, les sénatoriales. Oui, enfin, la première élection présidentielle. Il y a eu les sénatoriales. Oui, la première élection présidentielle. Il y a eu les sénatoriales, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas grand-chose. Que pensez-vous de ceux qui estiment qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce Conseil constitutionnel? Mais est-ce que. Et ils attendent des résultats préfixés. Le Conseil constitutionnel a la compétence de sa compétence. Il jugera les faits. Et je vous ai dit que la question de fond, le Conseil constitutionnel cherchera quelle est la véritable volonté du peuple camerounais. Revenons un peu sur la composition de ce Conseil constitutionnel qui a fait des gorges chaudes ce matin au Palais des Congrès, siège du Conseil constitutionnel. Des membres de cette auguste cour ont été récusés. Parce qu'ils auraient parti lié avec le pouvoir RDPC et d'autres occuperaient encore des fonctions dans l'administration, ce qui est contraire au texte qui fixe les modalités de fonctionnement. Vous me faites rire, monsieur Tagné. Comment ça? Vous me faites rire. Vous connaissez un conseil constitutionnel qui n'a pas des affinités politiques? Vous venez d'avoir une élection aux États-Unis d'un conseiller à la Cour suprême. Elle était politique, hein, cette élection-là. Ce monsieur-là est républicain. Vous ne pouvez pas le nier. Je veux continuer. Continuez. Vous connaissez le Conseil constitutionnel français? Oui. Monsieur, le monsieur qui le préside aujourd'hui,
Il n'a pas d'affinité politique. Laurent Fabius. Oui. Mais ce sont leurs règles. C'est les mêmes que nous avons à peu près. Non, je suis... C'est les mêmes que nous avons à peu près. Le Conseil constitutionnel camerounais... Attendez. J'ai dit c'est les mêmes que nous avons à peu près. Oui. Vous connaissez les anciens présidents de la République, qui sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Oui, c'est prévu par la loi. Et s'il y a plus moins politiciens que ces messieurs-là? Oui, mais c'est prévu par la loi, y compris au Cameroun. Bon, c'est prévu par la loi. L'incompatibilité n'est née qu'au moment de la nomination. Dès que vous êtes nommé membre du Conseil constitutionnel, s'il y a une incompatibilité, vous avez un temps pour régler le problème. Absolument. Et le problème a été réglé. Quand c'est des députés et des sénateurs, la législation a prévu le délai. Et je peux continuer. Ceux qui étaient membres d'un parti politique, soit du comité central du RDPC, soit disant du bureau politique du RDPC... Oui. Qui n'ont pas démissionné. Ils n'ont pas démissionné comment? Ils ont prêté serment devant vous. Ils ont prêté serment de se consacrer... Juste pour comprendre. Non. Ils ont prêté serment. Ils ont choisi irrévocablement d'être membres du Conseil constitutionnel. Et à partir du moment où ils prêtent un serment solennel devant la haute juridiction et l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'ils ont fait une option. D'ailleurs, nous ne vivons pas dans un monde fictif. Nous vivons dans un monde réel. On va aller chercher des conseillers où... Là où les gens ne sont pas affiliés à des partis politiques. Oui, mais au moins. Ça ne se fait nulle part. Au moins sur ça ne se fait nulle part. Oui, on est bien d'accord. Je vous ai pris le cas des États-Unis il y a une semaine. C'est un conseiller politique avec affinité politique. Vous ne pouvez pas avoir, ne pas avoir de conseillers qui n'ont pas des affinités politiques. Alors, au moins sur la forme, on peut éviter de se rendre attaquable. Quand on consulte, il y a encore quelques jours, attendez, je vais finir, pardonnez-moi, quand on consulte, il y a encore quelques jours, le site internet de votre parti, le RDPC, et qu'on voit les noms de M. Mais ils ont été élus au congrès de 2011. Les noms ont été subrepticement... 2011, est-ce que le congrès de 2011, c'est en 2011? Vous n'allez pas effacer leur passé? Oui, mais sur la forme, on aurait pu le faire. Mais ils l'ont fait. Je continue. J'ai dit, ils l'ont fait. À partir du moment... Président du conseil d'administration. Prête serment. Oui. Où ils prêtent serment. Ils disent, écoutez, nous choisissons le Conseil constitutionnel, nous prêtons serment comme conseiller constitutionnel. À partir de ce moment, l'option est faite. À partir de ce moment, analysez leurs actes. Techniquement, est-ce que le fait de prêter serment annule les fonctions que l'on occupe par Évidemment. Ailleurs? Évidemment. Ils ont fait un choix irrévocable. Ça veut Même dire que cela annule le fait que Jean-Foumanakam soit encore députés, PCA de l'Université de Yaoundé 1 hein? Je ne sais pas si Jean Foumané encore président de l'université. Remplacé. Peut-être qu'il sera remplacé. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il l'a présidé la dernière fois. Monsieur Jean Foumané, ce n'est pas lui qui a présidé le conseil d'administration de l'université. Et quand son nom apparaît sur une motion de soutien à votre candidat... Oh, vous savez, les motions de soutien. Bon. Pour vous, il n'y a aucun problème. Non, moi je pense qu'à partir du moment où un conseiller... À partir du moment où il y a incompatibilité et qu'il y a eu une option franche et claire d'être conseiller constitutionnel, c'est terminé. S'il a prêté serment, c'est terminé. Il a fait un choix. Il n'y a plus d'incompatibilité. L'incompatibilité n'est née qu'au moment où il y a la nomination et elle cesse à partir du moment où la personne a prêté serment et a accepté d'être conseiller constitutionnel. Alors, je souhaiterais, pardonnez-moi, mais que de temps en temps, vous enleviez votre tenue du parti pour enfiler votre toge, On parle droit là. D'université. On parle droit là. Je l'espère. J'ai dit on parle droit là. Je l'espère. Parce que prêter serment devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême, c'est du droit. C'est du droit, c'est pas du politique. Oui. C'est un serment. Et d'ailleurs, ces personnes seraient poursuivies pour forfaiture si elles ne respectaient pas leur serment. Oui. À partir de ce moment... Ces personnes n'ont que leur conscience et la Constitution pour juger les contentieux qui se posent. Alors, vous parliez du Conseil constitutionnel français tout à l'heure. Celui du Cameroun a été copié sur le modèle de la France, qui est né en 1958 dans la Constitution de la Ve République avec De Gaulle, je crois. Alors, sauf que à ce niveau-là, on a le sentiment, vous me corrigerez peut-être, qu'on a fait une mauvaise copie. En France, par exemple, on connaît très bien qui a été nommé par qui dans ce Conseil constitutionnel. Or, chez nous, il est prévu...
nomme 3, l'Assemblée nationale en nomme 3 et le Conseil supérieur de la magistrature en nomme 2. Or, et vous pensez qu'au Cameroun, ça a été fait comment? Je vous pose la question. Le président de l'Assemblée nationale a proposé. Le président de la République, le président, on a l'impression qu'il a nommé tout seul. C'est clairement dit. C'est des processus à formalité. Oui. Premier temps, le président du Sénat propose 3. Le président de l'Assemblée nationale propose 3. Le président de la République même nomme 3, dont le président. Oui. Lui nomme sur proposition. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses de manière plus claire, qu'on sache qui est venu par le Sénat, je qui crois est venu que c'est par assez l'Assemblée évident, nationale là. C'est assez évident là. Alors, dans la c'est assez évident, vous avez des sénateurs et des députés, vous voyez que c'est assez évident, c'est d'où ils sont venus.
Effectivement, il y avait M. Bipoun, il y avait M. Ntamack, il y avait quelqu'un qu'il faut regretter aujourd'hui, M. Bodo, qui était un maître du cadastre camerounais. Donc, je pense que certains candidats ont été brillants, l'élection a été très courue, mais quand on chute, il faut savoir d'où on est tombé. Nous savons arrêter les pénaltys dans le RDPC, et nous, dans le RDPC, nous traversons le Sanaga deux fois. En attendant... Oui, ça m'inquiète un peu. Mais ça vient de quoi? De quoi? Vous avez des cyberzélotes qui, dans Internet, racontent n'importe quoi et attisent ce feu tribal. Mais je crois qu'il faut revenir effectivement à ce problème. Le problème des États complexes, pluriels, oui. Composites. Nous ne sommes pas le premier État à avoir le problème. Il n'y a d'ailleurs aucun État au monde qui n'a pas de problème. Si vous prenez la France, le problème lorrain est là, le problème alsacien est là, le problème corse est là, le problème breton est là. Si vous prenez l'Angleterre, il y a l'Écosse, il y a l'Irlande, il y a les Gallois. Si vous prenez même les États-Unis, ce problème est là. Si vous prenez la Chine, il y a le problème des Han, qui sont 99% de la population, et les non-Han, qui ne sont qu'à peu près 1%. Alors, on va Je veux vous démontrer que ça fait plaisir qu'on évoque le problème. Mais il nous reste juste deux minutes pour sortir de l'émission. On peut sortir. Oui. On peut sortir de ça comment? Alors, justement, je voulais vous poser la question. On a l'impression que le problème, c'est que la plupart des États sont composés. Oui. L'Italie même est composée. Mais il faut savoir résoudre les problèmes. Comment donc? Faire qu'on aille ensemble. Comment donc? Voilà. Ces choses-là, ces techniques, on ne va pas inventer le parapluie. Qu'est-ce qu'on fait ailleurs? On reconnaît la multinationalité. Qu'est-ce qu'on fait ailleurs? On fait les politiques positives pour que les minorités accèdent à des fonctions. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous faisons l'équilibre régional. Je veux prendre le problème du Nigeria. Vous savez que la constitution nigériane exige qu'il y ait des partis authentiquement nationaux. La constitution nigériane existe pour qu'il y ait un gouvernement, que toutes les parties du pays soient représentées. Si vous prenez les États-Unis, vous prenez la Suisse par exemple, qui est un État composite, vous savez ce qu'on appelle la règle magique? La règle magique, c'est quand on fait le conseil exécutif suisse, tous les grands cantons ont deux. Et les autres cantons ont un. Et on fait les équilibres linguistiques. Le gouvernement même des États-Unis, vous pensez qu'il est exempt de l'équilibre régional? La Cour suprême des États-Unis, vous pensez qu'elle est exempte des équilibres? Vous avez des équilibres entre chrétiens, catholiques et protestants. Vous avez des équilibres entre le nord et le sud. Maintenant, on fait entrer une femme, des femmes. On fait entrer des juifs. Donc, ces équilibres-là sont respectés. Je pense que c'est des choses qu'on gagnerait à apprendre à vivre ensemble. Justement. Et je prendrais vraiment l'exemple du Royaume-Uni. On va bientôt sortir. Le Royaume-Uni, vous voyez comment ils sont divers. Mais ils ont fait un État décentralisé et qui a effectivement trouvé des solutions. Les Gallois sont les Gallois chez eux. Et les Irlandais sont les Irlandais. Oui. Revenons au contexte camerounais. Est-ce que vous seriez favorable, là on va sortir,
Un ombudsman serait d'utilité, mais ce qui est beaucoup plus d'utilité, c'est une politique globale du pays tendant à faire vivre les gens ensemble et à reconnaître quelqu'un. Moi, je suis beaucoup plus sensible au problème des minorités. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de Non, je suis beaucoup plus sensible au problème des minorités parce que je suis du département de l'Océan où il y a des minorités. Si vous êtes Akribi et que vous êtes Batanga, vous sentez le besoin d'exister. Et il faut que ces gens-là existent quand ils sont chez eux. Je crois que c'est des solutions globales aussi. Un ombudsman, c'est bien, mais c'est des solutions politiques globales. Alors, dernière question, Joseph Owona. Dans votre dernier ouvrage, vous proposez, par exemple, une espèce, je vais résumer, hein, un pouvoir tournant à la tête du Cameroun, qui serait une solution d'alternance dans ce pays. Est-ce que vous maintenez cela? C'est non, je reste... J'ai fait un essai. Oui. Et cet essai m'a amené à me poser des problèmes sur l'institution présidentielle. L'institution présidentielle en Afrique tendant à devenir l'otage des tribus et à créer des conflits. Quand vous avez une élection présidentielle, on peut citer le cas du Gabon, le cas du Kenya, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est généralement des milliers de morts. Ça pose problème. Il faut savoir ce qu'on fera à l'avenir. Il faut chercher une solution à l'avenir. Et parmi les solutions, moi je n'ai pas parlé de l'alternativité clanique, j'ai parlé de l'alternativité régionale. Le Nigeria le pratique déjà, pratiquement. Le Nigeria fait un peu, tout en restant dans un système démocratique. Parce que finalement, la Suisse est un autre modèle où vous avez un exécutif collégial avec un président confédéral qui est tournant, qui est rotatif. Dernière question, le Cameroun est à un tournant de son histoire. Quel est le rôle que les intellectuels que vous êtes peuvent jouer pour éviter au pays de sombrer? Faire des luttes d'idées. C'est la dernière question. Il faut des luttes d'idées, pas des combats au couteau. Pas des combats dans les rues. Et il faut accepter les règles. Quand une élection doit être proclamée, on accepte ce que l'organe habilité a proclamé les élections, a proclamé, on accepte ces règles. Merci Joseph Owona. Je vous propose de prendre une petite pause et nous allons revenir pour aborder la dernière partie de cette émission consacrée à l'élection à la Fédération Camerounaise de football. Voilà, retour dans ce studio, Joseph Owona, pour la suite de cette émission. Nous allons aborder à présent la Fédération Camerounaise de football. Alors, comment réagissez-vous lorsqu'on estime que votre passage au comité, comme président du comité de normalisation, a été un échec? Comment réagissez-vous? Peut-être pas, et certainement pas. Je veux m'expliquer. Sur un premier plan, disons simplement le plan des textes, qui était notre mandat principal. Nous avons fait des textes. Ces textes, nous avons reçu des félicitations de la FIFA. Vous avez dû voir des extraits. Et je peux vous dire qu'il y a encore 2 ou 3 mois, la FIFA a donné ces textes à une fédération africaine comme étant des bons textes. Ces textes ont été annulés. Il faudrait mettre le hic. Par le tribunal arbitral du sport. Pas par le tribunal arbitral. D'abord par la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique. Bon, alors, on peut se poser le problème. Finalement, la chambre a annulé les textes. D'abord, sur le plan du droit, tout à fait extraordinaire, d'annuler 92 articles pour une demi-phrase. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'annuler même des dispositions qui n'ont pas été soumises à la compétence du juge. Oui, mais si, je ne reviendrai pas. Si une disposition est contraire à la loi, il y avait une petite disposition. Oui, cette disposition, je veux vous expliquer. Oui. Je veux vous expliquer. Elle nous a été imposée par la FIFA puisqu'on a eu un arrêt de l'Assemblée générale pour négocier le compromis.
Et il faudrait dire également que cette disposition, cette loi dont vous parlez, elle-même imposait à la FECAFOOT de se soumettre aux règles de la CAF et de la FIFA. Donc ces textes, je ne pense pas qu'ils soient mauvais. Ils ont été faits par des gens d'une très haute qualité et la FIFA l'a fait. Et je viens de vous dire, pour nommer une fédération, la Fédération du Mali vient de la recevoir avec leur comité de normalisation comme des bons textes. Le problème, c'est que certains n'ont pas trouvé leur compte dans ces textes. Et le compte, c'était quoi? C'est le mode d'élection du président et du comité exécutif. Et je peux vous dire, et vous pouvez aller lire la lettre de démission de M. Tchatchouan, elle dit ce qui se passait à la CEA. Elle dit ce qui se passait à la CEA. CCA, oui. Bon, allez lire la lettre de démission de M. Tchatchouan. Vous verrez comment cette annulation a été obtenue. Ou comment elle est obtenue. Donc, sur le plan des textes, pas de problème. Je veux prendre le plan de la gestion. Quand je suis entré à la FECAFOOT avait 1,6 milliard de francs. J'ai payé toutes les dettes, plus de 300 millions de l'équipe qui m'a précédé. J'ai réglé la dette fiscale et la dette sociale pour 83 millions. J'ai donné beaucoup plus d'argent au football camerounais parce qu'on est passé de 326 millions à 800 quelque chose de millions, soit une augmentation presque de plus de 200%. J'ai laissé, les avances. J'ai récupéré plusieurs avances données au personnel, ce qui ne se faisait pas. J'ai récupéré au moins plusieurs millions que nous devait le MINSEP. Et quand je parle de la FECAFOOT, j'ai laissé à la FECAFOOT 5,6 milliards de francs. 5 milliards. Oui, audité. Pour la première fois, les comptes de la FECAFOOT ont été certifiés. Passons sur le plan du sport. Vous dites que c'est un échec. Moi, je ne crois pas. Sur le plan du sport, ce comité de normalisation a qualifié le Cameroun à 2 Coupes du Monde. Oui, mais pour revenir... Attends, on va revenir. On va revenir à 2 Coupes du Monde. Vous êtes d'accord? Oui. Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde. Non, coupe du Monde féminine. Deux. Oui, la féminine, femme, les filles. D'accord, oui. On a qualifié le Cameroun qui n'était plus qualifié depuis plus de 10 ans. On l'a qualifié à 2 Coupes d'Afrique. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. On a fait jouer le championnat national des jeunes sur 57 départements, ce qui ne se faisait pas au Cameroun. Donc, sur le plan sportif, on ne peut pas dire que c'était également un échec. Continuons. Non, mais nous avons... au Brésil. On va revenir sur... Laissez-moi continuer. On va revenir sur le Brésil. Oui. On va revenir sur le Brésil. Sur le plan, nous avons obtenu 2 Coupes d'Afrique. C'est nous, c'est notre comité de normalisation qui a obtenu la CAN actuelle. C'est notre comité de normalisation qui a obtenu la CAN des femmes. C'est nous. Ce n'est pas ces comités de normalisation. Et nous avons obtenu quelque chose qui, ma foi, paraissait très difficile, c'est le rapatriement de la gestion de l'équipe nationale À la fédération. Absolument. Donc, ceux qui estiment que c'était un échec, je crois que ce n'est pas un échec quand on analyse véritablement le résultat. Nous avons été victimes, je crois, d'un véritable complot et de la corruption. Cela a été. Mais sur un autre plan, nous avons gagné. Lequel? Vous voulez savoir lequel? Oui. La loi sur les activités sportives nous donne raison. Sur tous les plans. On va revenir sur... Ce que nous demandions. Oui, non, on va revenir sur cette loi. Bon, vous avez parlé du Brésil. Le Brésil. Vous avez parlé du Brésil. Sont derniers à la Coupe du Monde. Oui, oui. Avec des problèmes. C'est vraiment pas le problème du comité de normalisation. Allons-y. Des problèmes en je n'ai pas peur. Dans l'équipe nationale. Et je proteste même d'ailleurs contre vous. Oui. Parce que vous avez écrit un livre sur la Coupe du Monde. Vous ne m'avez jamais interrogé. Oui. La Coupe du Monde. Nous avons fait la meilleure préparation qu'on n'ait jamais fait pour la Coupe du Monde en Autriche. Pour quel résultat? Quand nous avons joué... Laissez-moi continuer, pourquoi vous m'interrompez? Quand nous avons joué avec l'Allemagne, nous étions au bon niveau. Nous étions au même niveau que l'Allemagne et même supérieur. Nous sommes arrivés au Cameroun, un monsieur qu'on connaît très bien et des messieurs qu'on connaisse très bien ont suscité la question des primes. En disant de payer 300 millions par joueur. Par joueur, oui.
Monsieur, moi, j'ai jamais vu passer 300 millions. De mes 25 ans au gouvernement, et je, Dieu seul sait, j'ai fait gagner au gouvernement camerounais parfois 33 milliards de francs. Bon. Ils nous ont fait, quand on arrive au Brésil, on a été pénalisés. Ces gars-là ont refusé de prendre le drapeau à Yaoundé. C'était démoralisant. Et monsieur Tagné, vous oubliez les 9 pommes pourries. Les 9 pommes pourries, ce n'est pas le comité de normalisation. Les 9 pommes pourries. Les 9 pommes pourries. Oui, expliquez. Der Spiegel. Le journal Der Spiegel a révélé que la Coupe du Monde a été vendue par les 9 pommes pourries. Les 9 vont pourrir, c'était pas au comité de normalisation. Donc vous savez qui est le véritable responsable de cette déroute. Si c'est la FECAFOOT, le gouvernement, ont fait leur travail, on a eu la meilleure préparation à la Coupe du Monde du Brésil. Oui. Alors, je rappelle quand même que lorsque vous avez été nommé au comité de normalisation, votre mission était claire, réécrire les textes, gérer les affaires courantes et organiser des élections pour doter la Fédération camerounaise de football enfin d'un exécutif qui soit issu des élections. Mais on l'a fait. Mais votre élection a été annulée. Mais elle a été annulée dans les circonstances que je viens de vous rappeler. C'était prévisible. Allez lire la lettre de M. Tchatchouan. C'était prévisible non, vos textes. Ce n'est pas les textes. Oui. Les textes ne posent vraiment absolument aucun problème. À part ce petit bout de phrase où nous avons fait que les corps de métier soit représenté. Et c'est la FIFA qui nous a imposé cela. Oui. J'ai même fait un arrêt de séance de l'AG pour discuter de ce problème. C'est la seule disposition. Et je ne vois pas pourquoi on a annulé un texte de 92 articles pour cette disposition-là. En tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge puisqu'après vous, il y a un nouveau comité de normalisation. Vous vouliez parler de la loi. C'est prévu. Non. Alors, il y a un autre comité de normalisation qui a remplacé le vôtre et on ne semble pas sorti de l'auberge, comme je vous le disais. Je vous propose de regarder cet élément. Vous allez prendre du plaisir à regarder celui qui va passer tout à l'heure et on revient juste derrière pour en parler. Les clés sont entre les mains du comité de normalisation et de son président, Maître Dieudonné Hapi, peut-être avec d'autres personnes. Mais ce que je voudrais dire, il y a deux possibilités. C'est soit il s'arrête tout de suite, pendant qu'il est encore temps, il convoque une autre assemblée générale, mais celle-là ordinaire. Il soumet à nouveau les textes, il présente son rapport d'activité, il présente son rapport financier. À ce moment-là, on ira vers des élections apaisées. Soit il continue, il fait comme le professeur Ona. Et à ce moment-là, il portera l'entière responsabilité de ce qui pourrait advenir ultérieurement. Voilà, retour dans cette émission. Vous connaissez l'homme qui vient de parler. Et monsieur Abdourahman, que je connais très bien encore. Voilà. S'il s'appelle Abdourahman. Il s'appelle Abdourahman Amadou, je confirme pour ce que j'en sais. Alors, ça ne sent pas bon pour le comité de normalisation actuel parce qu'ils ont validé les textes il y a quelques jours, mais il y a des clubs amateurs qui contestent la validation de ces textes. Vous qui avez subi également Abdourahman et un certain nombre de responsables de clubs amateurs, quel est le conseil que vous donneriez à votre successeur au comité de normalisation pour sortir de ce guépier? Je n'ai pas de conseil à lui donner. Il ne m'a jamais consulté. Oui. Je n'ai pas de conseil à lui donner, qu'il se débrouille. J'ai entendu parler de ces textes. Oui. Il y a quelques points virgules qui ont été déplacés, d'accord, en modifiant le nombre des membres du comité de l'Assemblée générale et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oui. Mais je pense pas que ce soit tout à fait substantiel. Le véritable problème, c'est que M. Hapi était un peu un chargé de mission. De ceux qui ne voulaient pas du mode d'élection du président de la FECAFOOT et du comité exécutif. Ce que j'en sais, je n'ai pas beaucoup lu ces textes, c'est qu'ils ont changé les règles d'élection du comité exécutif et du président. Encore, on aura désormais une élection uninominale. Encore, je voudrais vous dire que si nous avons choisi le mode d'élection que nous avons choisi, ce n'était pas le choix du comité de normalisation. Imposé par la FIFA. Non. Oui. Non plus. Il y avait la FIFA, mais nous avons consulté plus de 150 personnes dans les milieux du football qui étaient pour cette solution-là à l'époque. Bon, ce que je souhaite
à M. Appy, c'est que le football puisse réellement se développer, qu'il puisse y avoir un système de représentation pondéré de toutes les parties du pays qui sont associées et qui veulent jouer au football. Je pense que son problème sera là. Lorsqu'on met un comité de normalisation dans un pays, en général, c'est une chance pour reformer le football en profondeur. Mais on a l'impression que le Cameroun est en train de rater le coche et ça va être pour la deuxième fois. C'est quand même terrible. Donc, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème dans le football camerounais aujourd'hui? C'est les intrigues. Moi, on a fait beaucoup de pression pour que je mette M. Tombi dehors. Oui. Ce n'était pas ma mission, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais d'ailleurs pas le faire. On vous accuse de l'avoir un peu protégé. Hein. Je n'ai protégé personne. Presque de l'avoir conduit. Non, je n'ai protégé personne. Oui. Les textes que nous avons faits étaient unipersonnels. Ne visaient personne en particulier. Ces textes permettaient qu'il y ait un candidat à la présidence, qu'il y ait une liste, et que cette liste soit soudée, qu'elle permette la représentation du football camerounais telle qu'elle était décidée. La FIFA elle-même était assez hostile au système uninominal. Monsieur Tombi ou pas Monsieur Tombi, ce n'était pas mon problème. Je n'étais pas venu là pour m'occuper de Monsieur Tombi, j'étais venu pour faire les textes. Mais je pense que le problème de la FECAFOOT sera toujours le problème des hommes. Mais je voudrais encore plaider pour ce comité de normalisation que j'ai présidé. C'était des gens de qualité. Et je peux vous dire, pas les résultats. Je ne vois pas en quoi ils vous ont déçu, puisqu'on distribue ce texte à d'autres fédérations. C'est vous qui avez recommencé avec votre CEA. Vous savez comment vous obteniez les résultats là-bas. Parlons justement de la chambre de conciliation et d'arbitrage que vous ne semblez pas beaucoup aimer. Alors, une nouvelle loi est venue abroger celle du 15 juillet 2011 portant organisation des activités physiques et sportives. La nouvelle loi, elle est du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives. Et lorsqu'on lit cette loi, elle est venue carrément tuer la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique. Non, monsieur. Si. Justement, c'est ça que vous ne comprenez pas, vous les autres. Expliquez. Bon, je veux vous expliquer. Oui, allez-y. J'ai fait une tribune à l'époque. Ce que veut la FECAFOOT. Oui. Cette tribune ne s'insurgeait pas contre la compétence de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Oui. Mais cette tribune exigeait les règles classiques. Les règles classiques, c'est quoi? Suivez-moi. Oui, je vous suis. D'abord, règlement, épuisement des voies de recours internes à la FIFA. Oui. C'est une règle de compétence. Les règles de compétence sont d'ordre public. Deuxième chose, quand c'est l'arbitrage suppose le choix de l'arbitre et le choix du droit, c'est-à-dire une clause compromissoire où vous acceptez l'arbitrage. Or, cette chambre de conciliation et d'arbitrage s'est érigée en Cour suprême sportive. Oui. C'est-à-dire, elle prend tous les conflits. La plupart des conflits qui peuvent naître à la FECAFOOT sont des conflits parfois para-administratifs qui sont de la compétence de la chambre administrative de la Cour suprême. Je n'en veux pour preuve que la jurisprudence est le royal de champ. C'est l'agrément, par exemple, l'agrément d'une équipe. C'est des compétences déléguées à la FECAFOOT. Ce n'est pas un litige sportif. C'est un litige para-administratif qui est du contentieux administratif. Donc, moi, je pense que cette loi a clarifié les choses. Elle a clarifié les choses. Elle a rétabli les règles classiques. Ces règles classiques, c'est l'épuisement des voies de recours internes. Ces règles classiques, c'est le choix, c'est-à-dire la clause compromissoire où vous pouvez choisir les juges. Or, vous aviez deux messieurs qui siégeaient en permanence, qui étaient devenus des juges. Ce n'étaient plus des arbitres. Un arbitre, ça se choisit en droit. Ça se choisit. Un arbitre, c'est ça l'arbitrage. Alors, et c'est ça que nous voulions. Mais je ne peux même pas dire qu'on soit allé beaucoup plus loin. Parce qu'il fallait détacher cette chambre du Comité national olympique. L'olympisme, c'est une chose. Et le Comité national olympique lui-même est partenaire du jeu sportif.
il peut être intéressé dans des conflits. Il n'y a pas de raison que le Comité national olympique soit chapeaute effectivement une alors, juridiction arbitrale. J'ai apporté un extrait de la loi de 2018 sur l'organisation des activités physiques, la organisation et la promotion des activités physiques et sportives. Je vais vous lire quelques dispositions qui montrent, on en discutera, que on a pratiquement tué la chambre de conciliation et d'arbitrage. Alors, article 95, il est dit ceci. En cas d'épuisement des voies de recours internes à la structure sportive concernée, le litige peut être en dernier ressort au plan national, selon le cas, soit porté, selon le cas, soit devant la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif, deuxième, et c'est là le problème, soit devant les juridictions administratives ou de droit commun eu égard à la nature du litige, conformément à la législation en vigueur. Alors, mais c'est ce que je vous expliquais. Mais vous savez très bien que jusqu'à présent, il semblait presque acté que c'est un sacrilège d'emmener les affaires du sport dans les juridictions ordinaires. Monsieur, je pose la question. Non, monsieur Tagné. Oui. Je vous ai très bien expliqué. Oui. Certains conflits, par exemple l'agrément des clubs, oui, c'est para-administratif. C'est du contentieux administratif. Vous avez une jurisprudence ancienne de la Cour suprême. Je vous ai cité Aigle Royal de Tchang. Allez voir. C'est administratif. Il n'y a pas de raison que ça aille à la CEA. Je poursuis. Attends. Il n'y a pas de raison que ça aille à la CEA. Il n'y a aucune raison. À la CCA. À la CCA. La CCA doit être exclusivement compétente pour des conflits sportifs. Et ils ont étendu cette notion de conflit sportif. Et les litiges électoraux, par exemple. Les litiges électoraux ne sont pas des conflits sportifs. C'est bien ça. Pas toujours. Oui. Non, ils ne sont pas des conflits sportifs. C'est ça le problème. Cette chambre d'arbitrage est devenue une véritable cour suprême sportive. Et même avec droit d'évocation. C'est ce que la loi empêche aujourd'hui. Et je crois que la loi réétablit les règles qui sont les règles classiques. Alors, le pompon, je vais poursuivre, c'est l'article 97.2. Je vais vous le lire. Pour être exécutoire au plan national, les sentences définitives et irrévocables rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif en matière d'arbitrage ou par le TAS doivent être revêtus de la formule exécutoire et ne pas être contraires à l'ordre public conformément à la réglementation applicable. Ça veut dire quoi? Attendez, avant que vous ne répondiez, ça signifie que si quelqu'un obtient gain de cause auprès du tribunal arbitral du sport, il n'est pas encore sûr que sa demande va être exécutée. Il faut d'abord obtenir la formule exécutoire devant le juge camerounais. Ça, c'est trop quand même. Non, c'est pas trop. Oui. Monsieur Tagné. Donc, gagner un procès devant le TAS aujourd'hui qui porte sur l'organisation. Attendez. Pas, est-ce que vous avez lu la loi qui organise l'organisation judiciaire du Cameroun? Votre chambre de conciliation et d'arbitrage n'est pas mentionnée dedans? Oui, là, comme étant une juridiction camerounaise? Non, elle n'est pas là-dedans. Oui, là, nous parlons du sport. Il y a un système. Non, elle n'est pas une juridiction camerounaise. Elle n'est pas mentionnée comme juridiction. C'est une juridiction arbitrale. Étant une juridiction arbitrale, elle est soumise à la procédure de l'exequatur, c'est-à-dire de l'exécution de l'exequatur. Et c'est ça le problème. Moi, je pense que la loi a réétabli les choses. Et maintenant, à cette chambre de s'occuper tout à fait des litiges sportifs. Qu'elle ne devienne pas une cour suprême sportive. Si vous voulez une cour suprême sportive, créez une chambre sportive à la cour suprême du Cameroun. Alors, vous savez que saisir le TAS, ça coûte très cher. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'était pas possible d'éviter ce type de dépenses pour les justiciables sportifs? Pourquoi éviter? En gardant la chambre de conciliation et d'arbitrage, peut-être en revenant sur sa composition, ses méthodes de fonctionnement, mais pas complètement en la mettant de côté en ce qui concerne les litiges sportifs. Parce que Elle reste en dehors des juridictions camerounaises traditionnelles. Oui. Et si elle reste en dehors des juridictions camerounaises traditionnelles, elle doit être assujettie aux formalités pour exécuter ces décisions. Moi, je pense qu'on a clarifié. Mais il fallait même aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire la détacher du Comité national olympique.
L'olympisme, c'est autre chose. Elle devrait être une chambre à part, parce que le comité national olympique lui-même peut être impliqué dans un conflit avec une fédération. C'est ce qui arrive d'ailleurs très souvent. Comment ? Ils seraient en même temps jugés partis. Moi, je pense que c'est une très bonne loi qui aurait pu aller, qui a déjà fait l'essentiel, qui a ramené les règles de compétence, qui sont des règles d'ordre public dans tout système judiciaire. L'ordre public, quand vous parlez d'ordre public en droit, ça veut dire que quand le juge analyse cela, il n'a même pas besoin. C'est automatique. Dès qu'il constate que ces règles ont été violées, il sanctionne. Alors, comment sortir le football camerounais et la Fédération camerounaise de football dans l'impasse? Ça fait plus de 5 ans que c'est des crises à n'en plus finir. Vous avez la chance d'avoir été des deux côtés, ministre des Sports et président de la Fédération camerounaise de football. Comment sortir de l'impasse? Comment sortir de l'impasse? Oui. À mon avis, c'est assez difficile. Parce que le monde du football est un monde mafieux, je regrette. Ils sont difficiles. Quand ils vous disent que c'est blanc, c'est noir, très souvent. Je pense qu'on peut quand même le faire. Il faut renouveler vraiment tout ce personnel-là, avoir des gens qui aiment le sport. L'État camerounais fait beaucoup pour le sport camerounais. Et contrairement à ce que l'on dit, il n'y a pas d'argent à la FECAFOOT. Vous ne pouvez avoir l'argent d'ailleurs que si vous êtes qualifié à des compétitions. C'est l'État camerounais qui casse. C'est l'État camerounais qui finance les primes, qui finance tout cela. Moi, je pense qu'il faut des gens qui soient patriotiques. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un problème du personnel de la FECAFOOT ou du personnel des assemblées générales de la FECAFOOT. Les joueurs eux-mêmes devraient être également des patriotes. Quand vous êtes en guerre et que des gens négocient avec vous toute une nuit pour vous dire qu'il faut leur donner 300 millions de francs, vraiment, monsieur, ce n'est pas normal. Je pense que ce n'est pas normal. Et je crois que la FECAFOOT devrait être dirigée chaque fois par quelqu'un qui a un peu de hauteur, qui est assez désintéressé. Ce comité de normalisation dont vous parlez ne recevait pas de salaire. Je regrette. Le nôtre ne recevait pas de salaire. Nous avions juste une prime pour le téléphone et le carburant. Ils n'ont pas jamais reçu de salaire. Sérieusement, vous travaillez pour... Ah bon, vous voyez donc. Alors qu'aujourd'hui, ils reçoivent... mais j'ai peine. Alors qu'aujourd'hui, ils ont un salaire. Ils ont même des maisons qui sont payées. Alors, il faut clarifier un peu toutes ces règles-là. Il faut des gens patriotes, c'est comme partout ailleurs. Il faut des patriotes. Il faut des gens qui veulent le bien public. Et je crois que là, ça pourrait marcher. Mais pour le moment, je leur souhaite du plaisir et qu'ils continuent. Mais n'allez pas dire que les textes étaient mauvais. Ça, je n'apprécie vraiment pas. Oui. Parce que ces textes ne sont pas mauvais. Et la preuve est que la FIFA les donne à d'autres fédérations pour les copier. Oui. Voilà, on va bientôt sortir de cette émission. Très rapidement, nous allons présenter la bibliographie de cette émission. D'abord, il y a le cadre juridique qui a été utilisé pendant cette élection. C'est un document qui a été produit par le ministère de l'administration territoriale. Là-dedans, il y a la constitution, le code électoral et puis les textes qui organisent le conseil constitutionnel. Très important comme document. Il y a cet ouvrage, il est de vous. Les systèmes politiques précoloniaux au Cameroun, Joseph Owona, paru chez L'Harmattan il y a quelques années. On attend votre prochain livre d'ailleurs. Je travaille vous à êtes deux choses. Assez prolifique, donc je j'espère. Je viens de finir quelque chose sur les marchés publics des entreprises d'État. Oui. Et je travaille sur quelque chose qui est un peu régional. C'est-à-dire les biographies très simplifiées de 15 notables. Maka, Fang, Betty et Mabea,
qui ont lutté contre la présence allemande, l'occupation allemande. Alors, ça promet. En tout cas, on en parlera. Il y a cet ouvrage de quelqu'un qui est décédé ces jours-ci, Ligne de résistance, Fabien Eboussi-Boulaga, un ouvrage qui est sorti il y a quelques années et dans lequel il parle un peu du processus électoral au Cameroun, très, très critique, comme il savait souvent l'être. Vous avez connu le professeur Fabien Eboussi-Boulaga? Je crois l'avoir recruté à l'université. Je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec lui. Oui, voilà. Cet autre ouvrage, L'intrigue de l'alternance présidentielle au Cameroun, c'est un ouvrage de Aristide Mengele-Menyenge. Bel ouvrage, oui, L'intrigue de l'alternance présidentielle au Cameroun, je vous le conseille. Alors, un camarade à vous du comité central du RDPC, Jacques Famdongo, il est également votre collègue. Le phénomène Paul Biya, essai de sémiotique arithmétique. Je dois confesser que je n'ai pas encore lu cet ouvrage. Il m'a été offert il y a quelques jours par... Il est très récent. Raphaël Nkoua, voilà, il est très récent. Mmh. Et écoutez, je vous offre cet exemplaire du livre. Merci. Il m'en a donné deux, donc voilà. Je peux vous offrir cet exemplaire. Jacques Famdongo, qui lui aussi est très prolifique en matière d'écriture. Il y a ce livre, on parlait de tribalisme tout à l'heure, c'est Jean Hassfeld, Dans le nu de la vie, récit des marais rwandais. Alors, c'est un journaliste qui est un peu spécialisé du Rwanda. Il a publié de nombreux ouvrages qui font autorité aujourd'hui lorsqu'on parle du Rwanda. Il est malgache. Très bon livre qui parle des horreurs qu'on a vécues au Rwanda en 1994 lors du génocide. Et je pense que les Camerounais qui dansent au bord d'un gouffre devraient lire ce type d'ouvrage qui renseigne un peu sur les risques du discours ethno-fasciste voilà, dans un pays. De l'esprit de cour, Dominique de Villepin, je n'en dirai pas plus. Il y a un peu d'esprit de cour chez vous au RDPC, non? Et il y en a partout. Ça, c'est pas une réponse. Hein. Alors, Julien Benda, c'est un vieux livre, La trahison des clercs. C'est un clin d'œil à tous les intellectuels qui devraient faire un peu attention. Parlons à présent football avec ce magnifique ouvrage de Régis Janté et Nicolas Jallot. Régis Janté, il vit en Russie. Il est le correspondant de Radio France Internationale en Russie et qui a profité de la dernière Coupe du Monde pour écrire un magnifique livre d'histoire sur le football. Ballon, le ballon rond de Staline à Poutine, une âme politique. Super livre, très très bien documenté de notre collègue Régis Janté de RFI. Il y a ce livre, c'est un agrégé de philosophie qu'il a écrit, un bel essai, une belle réflexion sur ce qu'est devenu le football, cet opium. Peut-on encore aimer le football ? Magnifique essai de Robert Redeker, il est agrégé de philosophie. Et enfin, ce livre, vous le connaissez, « Programmé pour échouer ». J'ai eu l'honneur de voir une note de lecture que vous aviez faite de cet ouvrage en 2011, je crois, à l'Institut supérieur de management public. Merci. Voilà. Alors, traditionnellement, nous remettons un petit cadeau à ceux qui viennent nous rendre visite dans cette émission. Voici le vôtre, c'est un petit souvenir. Mais je m'en voudrais, Joseph Ronald, de ne pas vous poser une dernière question avant de conclure cette émission. Il y a une bataille pas du tout honorable, qui oppose deux personnes qui vous sont proches à l'université de Yaoundé 2. On va les citer. Les professeurs Minkwaché et Magloire Ondoa. Comment vivez-vous ça et comment pouvez-vous mettre fin à cette bagarre agrégée? C'est très gênant. Oui. L'un est mon petit frère, l'autre est un de mes brillants étudiants également, oui, avec qui aujourd'hui il est mon patron, puisque je continue à enseigner d'ailleurs. Oui. Bon. Je crois qu'on verra ce qui peut être fait. Ça aurait pu être fait avant. Oui. Très bien. Merci d'être venu. Mesdames, messieurs, je tiens quand même à vous remercier. Oui. D'abord pour ce magnifique cadeau. Et puis, je voudrais dire que c'est toujours bien de parler. Oui. Et de se parler. Et de discuter de ces problèmes pour notre pays, qui est un pays merveilleux, qui a beaucoup d'atouts. Je crois que ce serait vraiment futile de gâcher tout cela en croyant qu'il y a une tribu ou une ethnie qui peut tout faire et qui est supérieure aux autres. Je crois que les Camerounais, s'ils sont ensemble, ils peuvent faire beaucoup de choses. Il faut qu'on se tolère les uns les autres. Il faut qu'on cohabite les uns les autres. Personnellement, moi je suis habitué à cohabiter. J'ai une épouse Peul, une épouse Bamoun, une épouse Bassa.
Ça en fait beaucoup. Hein, elles sont même musulmanes, certaines. Donc, je pense que je peux cohabiter avec tout le monde. Merci. Vous parliez de M. Kamto. Oui. Je vous ai dit ce que j'ai fait pour M. Kamto. Parce qu'il était un étudiant très brillant. Oui. Merci d'être venu dans cette émission. Mesdames, messieurs, c'était la grande interview. Bonsoir.